Gloire au Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père. Nous te louons et nous te glorifions. Nous te magnifions, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci, tendre Père, de nous donner encore l'opportunité ce soir de nous tenir dans ta présence. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de faveur, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de miséricorde. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Merci Saint-Esprit de bénir ce temps. Merci Saint-Esprit de nous fortifier au travers de ce moment de prière. Merci Saint-Esprit de bénir ce temps, de bénir chaque famille représentée, Seigneur notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta victoire et merci pour ton œuvre à la croix. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est ce qui est ton corps. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti de ton corps. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Sa puissance. Alléluia. 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 C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. C'est pourquoi j'ai l'espérance, il est vivant pour toujours. Bien-aimés, nous allons bénir, alléluia, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés, bénissons son nom, nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, bénissons le nom de Jésus. Nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus.
Merci Dieu Tout-Puissant pour ce moment que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta fidélité, pour ta bonté et pour ta bienveillance. Merci Dieu Tout-Puissant pour ton amour infini. Merci Dieu Tout-Puissant pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom et nous te bénissons, grand roi de l'univers. Merci pour la vie, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Nous te bénissons et nous te glorifions pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, bénis ce temps. Merci Seigneur. Nous allons élever le nom de notre Seigneur, nous allons élever nos voix, nous allons prier que le pouvoir purificateur du Saint-Esprit vienne encore purifier nos vies, vienne purifier, sanctifier nos cœurs. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions le Saint tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce. Nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. Nous proclamons la puissance du Saint-Esprit, que le pouvoir purificateur du Saint-Esprit vienne nous laver, vienne nous purifier, vienne nous sanctifier. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom et nous magnifions ton nom. Merci Seigneur pour toutes tes grâces. Merci Seigneur pour toutes tes grandes compassions. Merci Seigneur pour toutes tes bontés. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons et nous te glorifions, nous puissants de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Toi, le grand roi, merci d'étendre ta main de grâce, de manifester ta gloire, ton règne et ton autorité. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Glorifie ton nom. Manifeste ta grâce. Manifeste ta gloire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants, Maître du ciel et de la terre. Glorifie ton nom dans tous les détails et tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire au nom de Jésus et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Bénis ce temps, notre Jésus. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Voilà, bénis le Seigneur. Soyez bénis. Bonne soirée, tout le monde. Ce soir, particulièrement, nous allons venir me prier, n'est-ce pas, pour proclamer la libération de la captivité de la mort. Il arrive des fois, bien-aimé dans le Seigneur, que nous sommes captifs de la mort. Comme le Seigneur, il était captif de la mort. C'est ce que Pierre est en train de dire autrefois dans sa prédication majestueuse. Hein? Il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Il parle aux Juifs. Il dit, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, devant vous parle les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le saviez vous-même. Acte 2, verset 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort. En les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Retenu par la mort. Alléluia. Donc, dans cette prédication, il est en train de montrer comment Jésus a marché au milieu de bien-aimés dans le Seigneur. Que ces miracles étaient véridiques. Que vous avez vu les miracles qu'il a opérés au milieu de vous. Sans aucun doute, les miracles qui prouvaient réellement qu'il venait de la part, qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il était le fils de Dieu, qu'il était Dieu. Et non seulement ça, les chefs, les principaux sacrificateurs, les juifs, dans leur méchanceté, par la puissance, ils se sont connectés à la puissance des ténèbres, par leur sorcellerie, bien aimé, il dit que vous l'avez d'abord, il parle de sa vie, dont le miracle, le prodige et autres qu'il a opéré pendant qu'il était vivant. Et puis, il parle de sa trahison, comment on l'a trahi, comment il a été livré injustement, comment bien aimé la puissance de la sorcellerie, de l'occultisme a agi pour livrer Jésus à la croix. Et il dit,
Après avoir parlé de sa vie, il parle de sa trahison, il parle de sa passion finalement. La trahison, bien sûr, Judas l'a trahi, hein, de sa condamnation injuste, de cette parodie des jugements. Et puis il dit, non seulement il a vécu, il a été trahi, il a été injustement condamné, mais il dit qu'il a connu la souffrance, sa passion, il parle de sa passion. Et puis il parle finalement de sa crucifixion. De sa crucifixion, il parle de sa mort. Et de sa mort, bien dans le Seigneur, il parle de son ascension. De son ascension, il parle finalement de sa glorification. Il dit cette fois-là, il est assis à la droite des dieux. Et il intercède pour nous. Il voit que la mort n'a pas pu le retenir. Les liens de la mort étaient incapables. C'est par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, les liens ont été rompus. Les liens de la mort ont été brisés. Pour lui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la mort vient dans la vie de quelqu'un, lorsque la mort vient dans votre vie, bien-aimé, elle n'a aucun respect. La mort ne respecte rien. La mort détruit tout sur son passage. Personne ne peut résister à la mort. À part le Seigneur qui a vaincu la mort. La mort, elle peut venir, bien-aimé, sous plusieurs formes. Elle peut venir sur le plan matériel. La mort peut venir sur le plan financier. La mort peut venir sur le plan spirituel. La mort peut venir sur le plan émotionnel. La mort peut venir sur le plan sentimental. La mort peut venir sur le plan relationnel. La mort peut venir détruire vos relations. Vous n'avez pas les relations de qualité, les relations qui vous donnent la paix avec votre époux, avec votre épouse, avec vos enfants. Vous n'avez pas de relations de qualité. Ça, c'est la mort qui agit. Il faut briser les liens de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut être retenu, bien-aimé, par l'amour sans le savoir. C'est là que, autrefois, les psalmistes pouvaient dire avec raison, regardez, là, de rien qu'avec Jésus, n'est-ce pas? Les psalmistes pouvaient dire quoi? Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Les liens de la mort m'avaient environné. Les angoisses du sépulcre, de la tombe, m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Et toujours dans le psalmiste, il dit quoi? 18, le verset, ça c'est 116, on a lu 116, le verset 3, et le psaume 18, le verset 4, il dit, les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. La destruction. Les liens de la mort m'avaient, les torrents de la destruction. Bien-aimé, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Job. Les torrents de la destruction, bien-aimé dans le Seigneur. Job a fait face, bien-aimé, au torrent de la destruction, bien-aimé dans le Seigneur. La mort est venue par Satan, le diable, il amène la mort. Alléluia. Il amène la mort dans la vie de Job. Il détruit les biens de Job. Il détruit les finances de Job. Il détruit les relations de Job. Il détruit, bien dans le Seigneur, les enfants de Job. Il détruit la santé de Job. Il détruit même la qualité de vie de Job avec sa femme. Sa femme a dit, maudit Dieu meurt. J'en ai marre. Ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça, bien aimé, les torrents de la destruction. Eh bien, nous devons, bien aimé dans le Seigneur, invoquer la puissance du Saint-Esprit. Invoquer la puissance du Saint-Esprit. C'est là que nous voyons dans Éphésiens 8, ça ne pouvait pas retenir Jésus. Il n'était pas possible qu'il soit retenu. Regardez bien. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu. N'était pas possible. Dieu l'a ressuscité, bien-aimé. Nous devons invoquer la puissance du Saint-Esprit pour que nous soyons délivrés des liens de la mort. Que ta famille soit délivrée des liens de la mort. Que ta vie soit délivrée des liens de la mort.
Que ta destinée soit délivrée des liens de la mort. Que les liens de la mort soient rompus au nom puissant de Jésus. Ephésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, ceux qui étaient retenus par les liens de la mort. Et il en a fait des, il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce qui signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Voilà, béni soit le Seigneur. Il est descendu dans les entrailles de la terre. Il a trouvé Satan, le diable, avec la clé qui enfermait les gens dans le lien de la mort. Il a dit à Satan, donne-moi la clé. Satan dit, mais donne-moi la clé. Même pas deux fois en discutant. Satan lui a donné la clé. Il a ouvert les chaînes de la mort. Il a ouvert, bien dans le Seigneur. Vous voyez, par exemple, ici, en Europe, nous sommes bien dans le Seigneur. Il y a des endroits spécifiquement pour les vélos, mais chacun vient avec son vélo, il y met et il prend la chaîne, il va enchaîner le vélo et avec chaîne, avec clé. Donc, chaîne avec, il y avait une chaîne qui enchaînait la chaîne de la mort, les liens de la mort. Et quand il a récupéré la clé chez Satan, le diable, il a ouvert la chaîne. Allez, les gens sont sortis. Il est monté avec. Bienvenue dans le Seigneur. C'est pourquoi il est mort. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a amené des captifs. Ceux qui étaient bienvenus dans le Seigneur. Emprisonnés par les liens de la mort. Ils étaient bien aimés dans le séjour de mort. Dans les Hadès. Vous voyez, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Il est descendu dans les régions inférieures. Et nous bénissons Dieu bien-aimé parce que par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer la victoire de la vie. Les liens peuvent être brisés. Les liens peuvent être rompus. Vous êtes enfermé, bien-aimé, dans un domaine donné. Les liens de la mort, bien-aimés, enferment votre travail. Les liens de la mort enferment votre destinée. Les liens de la mort, bien-aimés, environnent vos projets. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Vous avez des projets, vous essayez, ça marche. Vous avez des... ça ne marche pas. Vous avez le travail. Mais les liens de la mort, bien-aimés, environnent votre travail. Vous ne jouissez pas du fruit de votre travail. Donc, vous vivez comme si vous ne travaillez pas. Mais pourtant, vous travaillez. Les liens de la mort devront briser les liens de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les liens de la mort, bien-aimés dans le Seigneur, font parfois que là, c'est... certaines paroles ont été déclarées dans la lignée familiale par des ancêtres qui vous retiennent captifs de la destruction, de l'échec. L'échec, c'est la mort. L'échec, c'est la mort, bien dans le Seigneur. Nous allons prier, bien aimé, pour briser, n'est-ce pas, bien aimé? Les liens de l'échec au nom puissant de Jésus. Eh bien, bénissons Dieu, bénissons le Seigneur, le Saint-Esprit qui nous a délivrés. C'est ça, les liens de la mort ont été brisés, n'est-ce pas, bénissons le Seigneur. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel, nous voyons comment les liens de la mort ont été brisés. Et nous bénissons Dieu parce qu'il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le lien de la mort était là. Les enfants d'Israël, bien-aimés, il a fallu qu'ils mettent le sang de Jésus sur le poteau, sur le linteau, pour qu'ils soient préservés du lien de la mort. Et nous bénissons Dieu pour cela. Nous voulons passer le temps dans la prière, bien-aimés, dans le Seigneur. En proclamant, n'est-ce pas, bien-aimé, la délivrance, la libération des liens de la mort. La libération des liens de la destruction. La libération des liens de l'échec.
la libération des torrents de la destruction. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La mort. Lorsque vous rêvez, bien-aimé, les gens qui sont déjà morts, vous les rêvez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faites attention parfois sur le lien de la mort. Vous brisez, bien-aimé, les rêves avec les morts. Les gens qui sont déjà morts, tu es là, oui, oui. Bien-aimé, ils peuvent vous maintenir dans des liens, les liens des maladies. Nous allons prier, bien-aimé. Ça doit élever nos voix, n'est-ce pas? Pour dire merci, bien-aimé. Alléluia à celui d'abord qui a vaincu la mort par la croix. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Colossiens, 1, le verset 13, nous a dit clairement qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Puissance des ténèbres, la puissance de la mort. Jésus nous a délivrés. Nous allons déclarer cette délivrance. Alors, nous allons élever nos voix, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Tu vas dire, Seigneur, merci de m'avoir délivré des liens de la mort. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la croix. Merci pour la croix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas, pour l'œuvre de la croix. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous puissants de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous t'exprimons toute notre reconnaissance, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange. À l'agneau, à l'agneau, immolé. À l'agneau, à l'agneau, immolé. Les ténèbres ont vaincu devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges se sentent, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, pour ces louanges, à l'agneau, à l'agneau, qui mourait. La vie qu'il m'a donnée à la vie qui brûle en moi, tant d'amour n'est à jamais, pour des sens. Tous les anges sa sainteté, l'univers qui sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau. Amen.
Alléluia. Voilà, bien aimé, nous allons élever nos voix, nous allons rendre grâce au Seigneur pour le sang versé à la croix. Élevons nos voix, bien aimé, rendons grâce au Seigneur pour l'œuvre de la croix et en même temps, implorons la grâce et la miséricorde, le pardon de Dieu, bien aimé, dans le Seigneur, que Dieu nous pardonne. Pourquoi je le dis? Parce que dans la plupart de nos familles, peu importe, bien aimé, dans le Seigneur, des gens sont allés faire pacte avec le monde de ténèbres pour être protégés de la mort. Pour être proche de la mort. Non, voilà, c'est pour que ma famille soit protégée. Et voilà, je vais trouver telle chose. Je vais, voilà, être protégé de la mort. Les gens vont voir marabout. Les gens vont dans des sectes et consorts pour être protégés de la mort. Même nous, en tant que chrétiens dans le Seigneur, nous savons que Jésus a vaincu la mort. En fait, le fondement même de notre foi, c'est le fait que Jésus a vaincu la mort. C'est ça le fondement de notre foi. Nous allons, bien-aimés, implorer la miséricorde de Dieu, bien-aimés. Proclamer la victoire du sang de Jésus. Implorer la miséricorde de Dieu, bien-aimés, accorder toutes ces alliances qui ont été scellées dans nos familles. Par nous-mêmes, par nos pères, par nos ancêtres, pour être préservés de la mort. Les alliances qu'ils ont eu à faire, bien-aimés. Les paroles qu'ils ont eu à déclarer avec les puissances de la mort. N'est-ce pas, les gens ont consulté, bien-aimés, ceux qui font les spiritismes et autres. Les gens, bien-aimés, sont allés, bien-aimés, consulter ceux qui évoquent le mort. Bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de Dieu en invoquant la puissance du sang de Jésus. Demander pardon, implorer la miséricorde de Dieu, la pitié de Dieu, bien-aimés. Élevons nos voix, prions le Seigneur de gloire, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, bien-aimés, le Seigneur. Il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous allons élever nos voix. Alléluia. Nous allons implorer sa grâce et sa miséricorde. Élevons nos voix, bien-aimés, prions le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous voici devant toi pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de pardon. Tu es le Dieu de la grâce. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de paix. Éternel notre Dieu, merci, merci pour le pardon de nos péchés. Nous voici devant toi pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, nous t'élevons à la plus haute place. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, Maître du ciel et de la terre. Merci Seigneur de gloire, merci pour
pour toutes tes créations, les dieux de pitié, les dieux de miséricorde. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, puissant de Jacob. Aie pitié, grand roi de l'univers. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci pour le pardon de nos péchés. Alléluia, merci de nous pardonner, tendre Père, de toutes ces alliances qui ont été scellées dans nos familles, scellées, tendre Père, consciemment ou inconsciemment, avec les esprits des morts. Nous venons te demander pardon, c'est notre Dieu, et nous venons implorer ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci, merci pour le pardon de nos péchés. Merci, grand roi de l'univers, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te louons et nous te magnifions. Pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions, nos puissants de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Bien-aimés, nous allons élever nos voix, nous allons demander, n'est-ce pas, la couverture du sang de Jésus-Christ. Alors, proclamons la vie, la couverture du sang de Jésus-Christ dans nos vies. Élevons nos voix pour les bénémoines. Que le sang de Jésus-Christ ferme toutes les fenêtres et toutes les portes par lesquelles, n'est-ce pas, toutes les issues par lesquelles la mort peut entrer, la puissance de la mort peut entrer, bien-aimés. Élevons nos voix, n'est-ce pas, et prions le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi et nous invoquons, Seigneur notre Dieu, la puissance du Saint-Esprit et nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, le sang de la grâce, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la faveur, que le sang de Jésus-Christ recouvre nos vies, recouvre nos familles, que nos familles soient sous la couverture du sang qui a été versé à Golgotha, soient sous la couverture du sang de l'agneau immolé, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci pour le sang versé. Merci pour le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Merci pour le sang de la victoire. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour toutes tes grâces, pour toutes tes grandes compassions. Au nom de Jésus, sanctifie et purifie nos vies. Sanctifie et purifie nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place. Au nom puissant de Jésus, nous te magnifions, grand roi de l'univers. Merci Seigneur, merci pour ton règne, pour ton autorité. Au nom de Jésus, sanctifie et purifie nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci Seigneur notre Dieu pour tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons déraciner, n'est-ce pas, l'arbre des morts. Bien-aimé, tu vas déraciner l'arbre des morts, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dans ta famille, dans ta bien-aimé, que tout arbre des morts soit déraciné. Alléluia, l'arbre qui a été planté peut-être avant que tu ne sois né, l'arbre qui a été planté, bien-aimé dans le Seigneur, pas tout arbre de mort, bien-aimé dans le Seigneur, soit déraciné dans ta vie, dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, que cet arbre ait été, bien-aimé, planté dans les airs, planté sur la terre, planté sous l'eau, que tout arbre de mort soit déraciné au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Je viens déraciner tout arbre des morts au nom puissant de Jésus dans ma vie, Seigneur, dans ma destinée. J'ai déraciné tout arbre des morts au nom puissant de Jésus, que l'arbre des morts soit déraciné. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Au nom de Jésus, j'ai déraciner tout arbre de mort. Au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci que tu t'élèves dans nos vies, dans nos familles. J'ai déraciné tout arbre de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai déraciné l'arbre de mort. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, merci. J'ai déraciné l'arbre de mort dans ma maison, dans ma famille, dans mon ministère, dans ma destinée. J'ai déraciné l'arbre de mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je viens déraciner l'arbre de mort au nom puissant de Jésus. Que tout arbre de mort, c'est notre Dieu, quel que soit les lieux où il a été semé, c'est notre Dieu,
dans ma famille, quelle que soit la personne qui les semait, que cet arbre soit déraciné par la hache de feu, au nom puissant de Jésus. J'ai déraciné cet arbre, tendre Père, à la fondation, j'ai déraciné l'arbre de mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, que l'arbre de mort soit déraciné, au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es lié, bien-aimé, dans ta famille, ta vie, ta destinée, c'est lié, bien-aimé, par la malédiction de la mort. On a proclamé des paroles de malédiction de la mort sur ta vie, sur ta... Tu es lié par ces paroles. Ce sont les liens. Tu es lié par les liens de la mort. La malédiction de la mort. Bien-aimé, tu vas élever la voix, béni. Tu vas briser toute malédiction de la mort sur ta vie. Toute malédiction de destruction. Toute malédiction d'échec. Je dis bien la mort, la destruction, l'échec. Toute malédiction de la mort. Toute malédiction de la destruction. Toute malédiction de l'échec sur ta vie, sur ta destinée, sur ta femme, béni. Tu vas briser sur ton ministère. Tu vas briser sur tes enfants, béni. Tu vas briser cette malédiction-là au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois le sang de Jésus, 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser la malédiction, tendre Père, de la mort dans ma famille, dans ma belle famille, dans la vie de mon épouse, dans ma propre vie. J'ai brisé la malédiction de la mort au nom puissant de Jésus. Je viens briser par la puissance du sang de Jésus. Je viens briser la malédiction de l'échec au nom puissant de Jésus. Je viens briser la malédiction de la destruction au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que toute malédiction de la destruction soit brisée, soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Toute malédiction de la mort qui pèse sur ma vie, qui pèse sur ma destinée, qui pèse sur mes finances, qui pèse tendre Père sur ma famille, et alléluia, sur mon corps, je viens briser toute malédiction de la destruction, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, je proclame la victoire du sang de la nouvelle alliance, je viens briser toute malédiction de la, alléluia, de la destruction, au puissant de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon épouse, dans l'église tendre Père, je viens briser toute malédiction de la destruction, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, que tu t'élèves dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, que toute malédiction de la destruction soit brisée, soit neutralisée par le sang de Jésus, par le sang de la nouvelle alliance, que toute malédiction de la méchanceté soit brisée, soit neutralisée, que toute malédiction de la destruction, alléluia, méchante, soit neutralisée au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, tendre Père, sur ma famille, sur ma destinée, sur mes projets, je viens briser toute malédiction de la destruction dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la famille de mon frère, dans la famille de ma sœur. Je viens briser toute malédiction de la destruction, toute malédiction de la mort, toute malédiction, Seigneur notre Dieu. Alléluia, toute malédiction de l'échec, j'ai brisé toute malédiction de l'échec, alléluia, sur mon ministère, sur ma vie, sur ma famille, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, j'ai brisé toute malédiction de l'échec, au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, l'échec programmé, l'échec planifié, j'ai brisé toute malédiction de l'échec, au nom puissant de Jésus-Christ, le cycle d'échec, je viens briser toute malédiction d'échec, au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, merci, merci. Merci pour ta victoire, merci pour toi, ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci. Alors nous brisons toute malédiction d'accident. Seigneur notre Dieu, merci. Mais tu vas briser toute malédiction d'accident, tendre Père. Je viens briser toute malédiction d'accident au nom puissant de Jésus. Les accidents planifiés, les cycles d'accident, je brise toute malédiction d'accident au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que toute malédiction d'accident soit neutralisée, soit brisée au nom puissant de Jésus. Je proclame que Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que toute malédiction d'accident soit
soit brisé, soit neutralisé. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix, les dieux de miséricorde, que toute malédiction d'accident soit neutralisée, soit brisée. Au nom puissant de Jésus, merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons briser les liens. Alléluia. Nous allons briser les liens, n'est-ce pas, bien-aimés? Les liens de la mort. Alléluia. Nous allons briser les liens de la captivité de la mort. Alléluia. Bien-aimés, donc tu es captif, bien-aimés. Tu es captif. Tu es captif de la mort. Jésus est descendu, bien-aimés, dans les antres de la terre. Il est allé, bien-aimé, libérer les captifs. Ceux qui étaient captifs, bien-aimé, des liens de la mort. Bien-aimé, tu vas prier pour lui, c'est notre Dieu. On parle à la puissance du Saint-Esprit. Que les liens, n'est-ce pas, les liens de la mort sur ma vie. Alléluia. Les liens de la mort autour de ma vie. Les liens de la mort dans ma vie. Soient brisés au nom puissant de Jésus. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Que les liens de la mort soient consumés. Dans la vie de tes enfants, dans ta famille, mais tu vas briser les liens de la mort au nom puissant de Jésus. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Que les liens de la mort soient neutres, soient consumés au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, que les liens de la mort soient brisés. Rappelez-vous, bien-aimé, Samson, à cause de l'onction que Samson avait, l'autre fois, on l'avait mis les fils neufs, bien-aimé dans le Seigneur. Et Samson, bien-aimé, on dit que ça s'est coupé comme de l'étoupe. À cause de l'onction, bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit, que les liens de la mort soient rompus autour de ta vie, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, que les liens de la mort soient brisés, soient rompus à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Nous allons, bien-aimé, là où tu as été retenu, bien-aimé, le Seigneur, que les liens de la mort soient brisés, au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Maintenant, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité, tendre Père. Je viens briser par la puissance du Saint-Esprit. Je viens briser les liens de la mort. Je viens briser les liens de la mort. Au nom puissant de Jésus, que les liens de la mort soient rompus. Que les liens de la mort soient brisés. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, je brise les liens de la mort, les liens de la mort qui m'environnent, que les liens de la mort qui m'environnent soient consumés par le feu du Saint-Esprit, que les liens de la mort qui m'environnent soient consumés. Au nom de Jésus, que les liens de la mort soient consumés, que les liens de la mort soient consumés. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Nous te célébrons au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre-nous de la captivité de la mort. Délivre-moi de la captivité de la mort. Au nom puissant de Jésus. Sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan spirituel, délivre-moi de la captivité de la mort. Au nom puissant de Jésus. Que les liens de la mort soient rompus. Que les liens de la mort soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Le feu dévora. Le feu du Saint-Esprit autour de la vie de mon épouse, autour de ma vie, autour de ma maison. Que les liens de la mort soient brisés dans ma maison, tendre Père. Que les liens de la mort soit brisé, que les liens de la mort soient rompus par le feu du Saint-Esprit, par le feu de voir. Nous invoquons le feu éternel, notre Dieu, ton feu, Seigneur, que ton feu consume le lien de la mort, que ton feu consume le lien de la mort, au nom puissant de Jésus, que ton feu consume le lien de la mort qui environne nos vies, qui environne ma vie matérielle, ma vie financière, ma vie spirituelle, ma vie, Seigneur, notre Dieu, physique, que les liens de la mort soient consumés. Au nom puissant de Jésus, que les liens de la mort soient consumés, que les liens de la mort soient consumés. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, tendre Père, que le feu de Dieu consume le lien de la mort, consume le lien de la mort dans nos familles, tendre Père. Au nom puissant de Jésus, dans ma vie, Seigneur, que les liens de la mort, les liens de la mort soient consumés, les liens de la mort soient brisés. Au nom puissant de Jésus Christ, éternel notre Dieu, merci. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Tu vas maintenant prier, n'est-ce pas, bienvenue, que ta famille, bienvenue, alléluia, soit libérée des liens de la mort. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit, que ta famille soit libérée des liens de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, que ta famille soit libérée des liens de la mort. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Et les forons, bien-aimés, proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit, un des trois. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, merci pour ta victoire. C'est notre Dieu, je proclame la libération de ma famille. Que ma famille soit libérée des liens de la mort. Au nom puissant de Jésus, je proclame la libération de ma famille des liens de la mort. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, c'est notre Dieu, pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi des nuées. Je viens briser, au nom puissant de Jésus, alléluia, les liens de la mort qui pèsent sur ma famille, les liens de la mort qui environnent ma famille, je viens briser, consumer par le feu du Saint-Esprit, les liens de la mort qui environnent ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Que les liens de la mort qui environnent ma destinée soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Que les liens soient brisés, que les liens soient rompus au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci éternel notre Dieu pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Rokobo yanda bayoko robo shikababa. Alléluia. Tendre Père, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas briser, n'est-ce pas, tout bâton de la mort. Alléluia. Qui pèse sur la famille, bienvenue dans le Seigneur. Tu vas briser, bien aimé, n'est-ce pas, tout bâton de la mort qui pèse sur ta famille. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Proclamons-toi, bien-aimé. Tu vas briser tout bâton de la mort qui pèse sur ta famille. Élève-la, on va. Élève-la, n'est-ce pas, commence à prétendre, Père. Je m'adresse, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens briser tout bâton de la mort qui pèse sur ma vie et sur ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci, éternel, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, que les bâtons de la mort soient brisés. Au nom puissant de Jésus, je brise les bâtons de la mort, je brise les bâtons de la destruction. Au nom bien-aimé, brise les bâtons de la mort, les bâtons de la destruction. Tendre Père, je viens briser les bâtons de la mort, je brise tout bâton de la destruction sur ma vie, sur ma famille, sur ma destinée, sur mon ministère. Au nom puissant de Jésus, sur l'Église, que les bâtons de la mort soient brisés, soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, magnifié, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Bienvenue dans le Seigneur, tu vas maintenant briser, n'est-ce pas, que toute main d'embargo, n'est-ce pas, tout embargo qui pèse. L'embargo, bien aimé, lorsqu'il y a un embargo, n'est-ce pas, c'est la mort. Lorsqu'un pays est sous embargo, bien aimé, oh, sous embargo de ceci, sous embargo de cela, bien aimé, c'est la mort. Donc, c'est-à-dire que vous êtes bloqué. Bien aimé, tu vas briser toute main d'embargo qui pèse sur ta vie, sur ta destinée, sur ta famille, tout embargo maléfique. Tu vas écraser toute main d'embargo maléfique qui pèse sur ta vie, sur ta famille, sur ta, tout embargo maléfique, bien aimé, soit neutralisé. Que toute main d'embargo, bien aimé, dans le Seigneur, alléluia. Bien aimé, tout cachet d'embargo, bien aimé, soit enlevé. Que toute main d'embargo soit brisée. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, proclamons trois fois, n'est-ce pas, le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de tendre Père. Nous élevons nos voix, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Que le sang de Jésus-Christ, c'est notre vie, vient annuler tout embargo. Alléluia. Maléfique qui pèse sur ma vie, qui pèse sur ma destinée, qui pèse sur mon ministère, qui pèse sur ma famille. Au nom puissant de Jésus. Que tout embargo maléfique soit annulé. Au nom de Jésus, par le sang de la nouvelle alliance, par le sang de la grâce. Que tout embargo maléfique soit annulé. Au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, je viens, c'est notre Dieu, écrasé par la puissance du Saint-Esprit. Je marche sur les mains d'embargo, les mains d'embargo, alléluia, sur ma vie, sur ma destinée, sur ma famille. Que les mains d'embargo soient écrasées, que toutes mains d'embargo soient écrasées, que toutes mains d'embargo soient écrasées. Au nom puissant de Jésus, je proclame la libération, Seigneur notre Dieu. Merci pour la libération de nos familles, la captivité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Alléluia. C'est notre Dieu, merci. Au nom puissant, bien-aimé, nous allons maintenant lier, n'est-ce pas, l'homme fort qui nous maintient, n'est-ce pas, dans la mort. L'homme fort qui nous maintient dans la mort. Bien, nous allons lier l'homme fort.
C'est Satan qui maintenait captif ceux qui étaient dans la mort. Nous allons bien aimer briser, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lier l'homme fort qui maintient nos familles dans la mort. Que l'homme fort soit lié au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, bien aimé. Comment ça lier l'homme fort? Comment ça lier l'homme fort, bien aimé? L'homme fort qui te maintient, n'est-ce pas, bien aimé, dans l'embargo de la mort. L'homme fort qui te maintient dans la mort, bien aimé. Comment ça lier l'homme fort? Dans le Père, je viens lier tout homme fort sur ma vie, sur ma destinée, dans tout le domaine de ma vie. Je lis l'homme fort. Alléluia. Qui me maintient dans la mort. Que l'homme fort soit lié au nom puissant de Jésus. Que l'homme fort sur ma destinée, sur mon ministère, sur ma famille, sur l'église en Nouvelle-Jérusalem, sur le réveil des minuit, que l'homme fort soit lié au nom puissant de Jésus, que l'homme fort soit lié, que l'homme fort soit lié au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Que l'homme fort soit lié. Que l'homme fort soit lié au nom de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que l'homme fort soit lié. Que l'homme fort soit lié au nom puissant de Jésus Christ. Que tout homme fort soit lié, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons ton règne et ton autorité au nom de Jésus. Les dieux de victoire, nous lions l'homme fort. L'homme fort qui pèse sur nos vies et sur nos familles au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, c'est notre Dieu, pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te louons, grand roi de l'univers. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous allons proclamer, n'est-ce pas, bien-aimés, la restauration, n'est-ce pas, de la captivité. De la captivité de la mort. Nous allons proclamer la puissance de la restauration. La puissance de la délivrance. De la captivité de la mort. Alléluia. Commence à proclamer la puissance de la délivrance de la captivité de la mort. Élève la voix, n'est-ce pas? Commence à proclamer la puissance de la délivrance de la captivité de la mort, n'est-ce pas? Dans ta vie, dans ta famille, dans ta destinée, dans le projet venu dans le Seigneur. Commence à proclamer la délivrance de la captivité de, n'est-ce pas, des liens de la mort. Tendre Père, merci pour ta victoire. Je viens proclamer la libération de la captivité des liens de la mort. Au nom puissant de Jésus, je proclame la délivrance. Bien-aimé, proclame la libération de la délivrance. Tendre Père, je proclame la libération de la captivité de la mort. Au nom puissant de Jésus, je proclame la libération. Merci notre Dieu, merci de me libérer, de libérer ton peuple de la captivité des liens de la mort, au nom puissant de Jésus, merci pour la libération de la captivité des liens de la mort, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, merci pour la libération de la captivité des liens de la mort, proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, merci tendre Père de nous libérer de la captivité des liens de la mort au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi le grand roi. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, glorifié, magnifié. Seigneur notre Dieu, merci de nous libérer de la captivité des liens de la mort au nom puissant de Jésus. Merci pour la libération. Merci pour la libération de la captivité des liens de la mort au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, pour toutes les personnes qui sont malades. Nous allons bien aimer prier pour notre sœur Laetitia. Nous allons bien aimer prier pour maman Joséphine. Nous allons bien aimer prier pour maman Fifi, notre sœur Claire. Bien-aimés, nous allons prier pour maman Albertine Kondo, bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu les libère, que Dieu les délivre, n'est-ce pas, des liens de la maladie. Élevons nos voix avec nous. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire dans la vie de tes enfants, nous proclamons la libération des liens de la maladie. Au nom puissant de Jésus, libère éternel notre Dieu, délivre notre sœur Laetitia des liens de la maladie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta protection sur sa vie et sur toute sa famille. Au nom de Jésus-Christ, merci, tendre Père, de libérer maman Fifi des liens de la mort, des liens de la mort, qu'elle soit délivrée des liens de la mort, qu'elle soit délivrée des liens de la maladie. Au nom puissant de Jésus, délivre éternel notre Dieu. Viens libérer notre sœur Claire, les pères, la tendre Père, des liens de la mort. Au nom puissant de Jésus, merci de toucher maman Albertine Kondo, qu'elle soit libérée des liens de la mort, qu'elle soit libérée des liens de la maladie. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Délivre tendre Père, guéris notre sœur Claire, qu'elle soit délivrée des liens de la maladie. Au nom de Jésus-Christ, délivre notre sœur Claire, éternel Dieu Tout-Puissant, les dieux de l'impossible, les dieux de la grâce, les dieux de la faveur, nous te bénissons, nous te louons,
nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus, les dieux de grâce, les dieux de louange, les dieux d'amour, les dieux de paix. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur, merci Seigneur pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te bénissons. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi les grands rois, à toi qui es assis sur ton trône éternel, à toi qui es assis sur ton trône de gloire. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la libération, pour la délivrance au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi éternel, notre Dieu. Seigneur, merci au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas? Alléluia. Pour que tous ceux-là qui sont éprouvés, nous allons bien aimer prier pour le pasteur Paulin, qui a perdu son épouse, Maman Samba. On va l'enterrer aujourd'hui. Nous allons bien aimer prier que Dieu se souvienne de son serviteur, que Dieu le fortifie de toute la famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour tous ceux qui sont éprouvés, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu continue à consoler Papa François, toute la famille, n'est-ce pas? Que Dieu continue à consoler, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Prions, n'est-ce pas, pour les dieux de toute consolation. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous transportons, Seigneur notre Dieu, les pasteurs Paulin Colo devant ton trône de la grâce, ainsi que toutes les églises de Mons et de Leuven. Nous les recommandons à ta grâce et nous prions, grand roi de l'univers, que tu libères, grand roi de l'univers, ton serviteur, alléluia, des angoisses et autres. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, libère-le, délivre-le, tendre Père, délivre-le, Seigneur notre Dieu. Merci pour la puissance de la consolation. Console ton serviteur, console, Seigneur notre Dieu, console ton serviteur. Au nom de Jésus, le pasteur Paulin Colo, console ton serviteur, au nom puissant de Jésus. Merci de consoler, grand roi de l'univers. Merci de consoler, s'il te plaît, de consoler. Alléluia, maman. Pasteur Jacques Malela, pasteur Annie Mouadi, merci de consoler, tendre Père, tous ceux qui sont éprouvés, merci de consoler, éternel et Dieu tout-puissant, grand roi de l'univers, nous proclamons la puissance de la consolation, console Papa François, ainsi que Maman Françoise et toute sa femme, Maman Marjane, merci tendre Père pour la puissance de la consolation, c'est notre Dieu, console s'il te plaît, console tes enfants, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus, nous te rendons toute la gloire, nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés, rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité. Élevons nos voix, rendons grâce. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour toutes nos prières qui sont montées à toi comme un parfum de bonne odeur. Au nom puissant de Jésus, merci éternel, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom puissant de Jésus Christ, Dieu tout-puissant, merci. Ô éternel, notre Dieu, merci. Merci d'avoir libéré nos finances, d'avoir libéré nos vies, d'avoir libéré tout ce qui était sous la captivité, c'est notre Dieu, de la mort. C'est notre Dieu, merci d'avoir libéré tout ce qui était sous les liens de la mort. Merci pour la libération, merci pour la délivrance. Ô nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, toi le grand roi, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions. Seigneur, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, au nom de Jésus. Bénédicte de Seigneur, commence à proclamer la vie de Dieu, Zoé, dans ta famille, n'est-ce pas, la vie. Proclame la vie dans tous les domaines de ta vie. Commence à proclamer la vie. Commence à proclamer la vie de Jésus. Commence à proclamer la puissance de la vie, la puissance de la résurrection, la puissance de la libération. Seigneur notre Dieu, je proclame la vie, Seigneur, dans mes finances, la vie dans les biens matériels, la vie dans tous les domaines de ma vie, la vie, Seigneur, dans mon couple, la vie dans mon corps, dans les corps de mon épouse. Je proclame la vie, la puissance de la vie, au nom de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je proclame la vie dans les Église, je proclame la vie dans l'église, dans cette assemblée réunie maintenant là, tendre Père, je proclame la vie, je proclame le Seigneur, préserve-nous, éternel notre Dieu, préserve-nous, je proclame la vie vis-à-vis de la pandémie, préserve ton peuple, préserve tes enfants, au nom puissant de Jésus, merci pour ta protection, tendre Père, protège-nous de toute forme de contamination, au nom puissant de Jésus, protège Seigneur, protège-nous de toute forme de contamination, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, l'éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur.
Amen, 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 amen. Commence à remercier le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta protection. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta faveur. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Merci Saint-Esprit pour ta bienveillance. Nous te bénissons. Toi l'Esprit de vérité. Toi l'Esprit d'amour. Toi l'Esprit de grâce et de faveur. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Merci Saint-Esprit. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Bienvenue dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre, vous protège contre, bienvenue dans le Seigneur, les liens. Alléluia. Contre les attaques de la mort. Que la grâce de Dieu. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. À bientôt.